Eh bien, yo les gars, c'est Tchèque pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite, les gars, pour une nouvelle vidéo comment faire pour passer une réelle. Donc, c'est super simple, je vous dis tout maintenant. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas d'abonner, liker et partager comme d'habitude. Comme tu peux le voir, j'ai placé une cam pour que vous voyez tout maintenant. Donc, voilà, les gars, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, on commence. Alors, les gars, tout d'abord, on va commencer par le spawn. Alors, moi, je vous précise tous mes spawns. Alors, mon premier spawn était juste là. On n'est vraiment pas beaucoup. Il y a un stuff de dingue. Sinon, le deuxième était juste ici, les gars. Pour moi, c'est les deux meilleurs spawns qu'on puisse avoir en solo et en duo. Donc, voilà, les gars, vous allez spawn juste ici. Et comme je l'ai dit, la clé de la win, c'est tout simplement le spawn. Si vous avez un bon spawn et un bon stuff, vous avez la win assurée. Maintenant, il reste juste le shoot et les bons déplacements. Mais je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, restez bien à l'affût, les gars. Alors, du coup, vous allez spawn dans les trois bottes ici. S'il y a du monde derrière. Et n'hésitez vraiment pas à casser tout ce qu'il y a pour avoir le plus de build possible. Il y a un mec juste à côté, je sais pas du tout où il est. Ok, il est juste là. Ok, mort, let's go, c'est bien. Là, on va ramasser le max de stuff. Donc voilà, les gars, une fois que vous avez fini de fouiller et que vous n'êtes toujours pas dans la zone, ce que vous allez faire, vous allez descendre juste ici. Donc là, normalement, il y a un rocher. Donc vous pouvez le farm. Mais moi, je vous conseille de passer juste là. C'est pile là où je suis. Continuez, vous allez arriver sur la faille. Vous allez la prendre pour Rota Fatal Field ou. Faire comme moi, vous prenez les failles en bordure de zone jusqu'à arriver à Frost Life, Flux Factory, tout comme ça. Et dites-moi en commentaire, les gars, si vous voulez avoir la même FOV que moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ça me dérangerait pas du tout, mais je veux juste un minimum de 10 likes sur cette vidéo. Je vous ferai du coup le tuto FOV. Donc voilà, les gars, je vous conseille de vous caler en zone juste là et de farm le max de bois, de pierre et de métal. Donc voilà, une fois que vous avez fini de fouiller cette maison, vous pouvez repartir pour aller prendre les autres failles. Normalement, il y en a une. Par là, donc voilà, elle est juste là. Il y en a une autre juste ici. Et très important, les gars, pour passer une réelle le plus vite possible, n'hésitez vraiment pas à faire des kills arrivés au top 10. Donc, si vous faites 10 kills au top 10, et bien vous rapporterez beaucoup plus de pourcents que si vous avez fait 20 kills au top 100. Les kills de fin de zone rapportent beaucoup plus de pourcents que les kills en première zone. Donc, voilà. Donc, les gars, en solo, je vous conseille de prendre un bush. Donc, moi, je suis en build, donc je vais pas en prendre. Et sinon, les gars, je vous conseille de prendre des bushs et de les mettre. Ça peut être utile. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fini de tout fouiller, de tout prendre ce qu'il vous fallait, les gars, vous allez tout simplement commencer à push les gens. Et ce que je vous conseille, les gars, c'est de prendre une voiture ou un overboard. Vous avez un grappin, c'est encore mieux. Ou une faille. Et vous allez commencer à vous mettre middle zone et attendre. Ok, des mecs juste là. On va aller leur rendre visite. Il y a deux mecs. Donc, les gars, je sais pas du tout si je vais mourir en vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fake la gourde. Ok, il est one shot. Bien joué,